Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo, je vous présente enfin mon petit garage. Attention, on passe direct sur une modif du garage, une transformation de ce garage. On est avec la team Easy Garage, Evan and Salut Ninja. Salut à tous. Représente, ils vont nous aider à faire de la magie dans ce garage, à faire un truc de ouf. Les gars, j'ai trop hâte. On a beaucoup de rangement déjà, ouais. Beaucoup de débarrassage de tous ces vieux... Enfin attention, on garde tous les meubles, hein. On est sur vraiment toute l'esthétique, on est sur les détails qui font toute l'importance en fait de l'esthétique du garage. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard, mais là on a un petit chantier déjà de pousser tout ça. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a déjà une... Comment ça s'appelle ça? Étagère charge très lourde. Un rack. Un rack. Là j'en ai... Enfin, on en a pour un petit moment. Et, bah allez, c'est parti. Mon kiki. C'est parti mon kiki. Du coup, Easy Garage, c'est quoi? Bah, Easy Garage, en fait, c'est assez simple. En gros, c'est une entreprise qu'on a montée avec mon frère. Et en fait, on aide les gens, alors professionnels ou particuliers, à transformer leur garage. C'est-à-dire que tu vois, exactement le cas que t'as là. Okay. C'est-à-dire que tu te dis, tiens, je veux me faire quelque chose de chouette. Par où je commence? Bah, finalement, t'as quelques petits éléments qui peuvent transformer ton garage de manière hyper simple. Le but, c'est que ce soit facile. Easy, ouais. Easy Garage, c'est simple. Ok. C'est-à-dire que le sol, ça se pose facilement. Les luminaires, ça se pose facilement. Et on fait aussi, tu vois, tout ce qui est établi, aménagement de garage. Pareil, c'est du pré-monté, t'assembles, tu vis, c'est prêt, quoi. L'électricité quand même, non, c'est compliqué ça. Alors t'auras le raccordement, c'est-à-dire que t'as deux fils à brancher, ouais, c'est ça. Mais c'est la seule partie moi, technique. Tu récupères en fait ce qui existe déjà, tout le monde a au moins une lumière dans son garage, c'est donc vrai. En fait du coup tu récupères juste le fil et tu branches. Pour le reste c'est un peu du Lego. C'est-à-dire, tu vois, le sol c'est comme les Lego, t'en mets un sur l'autre et tu clips, bah, les Lego c'est pareil, les luminaires c'est un tube dans un connecteur, c'est pareil. Okay. Et les établis c'est pareil, tu clips. Ok, bon, on va pas un peu de vis quand même sur les établis. Et du coup notre promesse elle est simple, c'est qu'en gros en un week-end, même si t'es pas bricoleur, tu peux refaire ton garage en entier. Mais vu qu'on t'aime bien, une journée on va essayer. Les amis, il y en a beaucoup qui m'ont fait cette remarque. On voit plus le hangar dans les vidéos. Je sais pas si certains s'en rappellent ou pas. Le hangar, je l'avais présenté en vidéo. C'était vraiment un endroit énorme. On avait beaucoup travaillé dedans. On avait fait une mezzanine avec Lulu. Et c'était vraiment un rêve que j'ai réalisé à l'époque. Donc pourquoi je me suis retrouvée dans ce petit garage? Bah c'est des raisons personnelles. Et du coup ça fait que bah maintenant on est ici. J'ai refait mon petit cocon ici. Tout va bien, vous inquiétez pas. On a aussi une petite, un petit ajout à la famille sur le tableau. Donc on avait le trophée des 100 000 ici. Et là on a reçu le petit colis YouTube. On va faire un petit unboxing très rapide, hein. Voilà, c'est bon, c'est fini. Et du coup là on a ça à rajouter. Il est trop beau. Il est trop gros aussi par contre, vraiment. On va devoir pousser des trucs Milwaukee là, je sais pas. Il va falloir un peu, tu vois, ranger tout ça. Pour mettre ça, voilà, regarde, je suis trop contente. Voilà, bravo Charlotte. C'est pour ça qu'on a écrit Charlotte et Sarah. Parce que maintenant, faut savoir que c'est plus ma chaîne YouTube, ça devrait s'appeler Charlotte Lezito, vu que c'est Charlotte qui filme, qui fait tous les montages, qui met tout et qui nous a amené bah, notamment à ce trophée. Donc voilà, félicitations Charlotte et félicitations à nous. Merci, merci. Bien. Et merci à tous les gens qui sont abonnés, vous êtes incroyables et c'est grâce à vous qu'on en est là et c'est grâce à vous que voilà, on continue toutes nos aventures et je suis trop contente. Allez, go. On va bientôt divorcer parce que Sarah l'utilise mon aspirateur de maison pour enlever les toiles d'araignée qui datent de Mathusalem dans le garage. Qui datent de Jérusalem. S'il te plaît, on ne dit pas les expressions correctement sur cette chaîne. On se trompe toujours. Donc ça date de Jérusalem. Ah oui, c'est vrai que tu me disais ça avant. Voilà. Ça date de quand ces trucs là? De ton père? De ma naissance. Tu vas mourir avec des ipones sur la gueule quoi. Un coup d'ipone. Non mais sinon... Mais retirez-le non sinon. C'est le bas Mika qui fait. On le répare ouais. Non bah, si, j'ai... On a un truc en fer non si t'as des équerres, on l'a mis. J'ai des équerres. Il va falloir qu'on le vide avant par contre. Je pense que même le bois tu vois globalement il est... Regarde là c'est pareil. Il a fait son temps un peu. Ouais ouais il a pris... Ah bah je pense que c'était la qualité. Réception du petit colis qui a été assez périlleux à ramener ici. Ah, on voit toutes les couleurs là. Ah. Alors, je commence des pronostics les amis, à votre avis, quelle couleur j'ai choisi pour le garage? Trop cool hein. Déballage. On a pris les amis, alors du bleu, du rose, du jaune. Là on voit un bout de
vert, c'est multicolore. On sait pas encore ce que ça va donner. Eux non plus ne savent pas. Grande première en mode, je vais pas dire LGBT, mais en mode, tu vois, en mode trop bien quoi. C'est bien parce qu'en fait ton garage ça va être un showroom du coup. Ça va être un showroom. On aura toutes les couleurs. C'est vrai, et moi c'est sûr ça va me plaire en tout cas. Ça va être mon garage tu vois. Ça va être très dur de choisir. En fait ça fait pas si gros. Sur mon Photoshop j'avais du mal à réaliser comment ça va être gros. C'est dur de choisir. Franchement je kiffe trop toutes les couleurs. On est face à un gros dilemme là. Parce que soit je fais un damier parfait avec plein de couleurs, soit on déstructure. Ce qui me ressemble plus tu vois, le bordel quoi. Mais un bordel organisé. Joli. Un joli bordel. Bon, comme il dit, l'avantage, c'est que on n'est pas en train de peindre le sol. À tout moment, si ça nous plaît pas ou qu'on veut faire autrement, on peut décrocher les dalles et les mettre autrement. Tu filmes comment, Amen? Une couleur, comme tu ouais. peux avoir deux gris, une couleur. Ils ont l'habitude du bordel. Eux, ils ont l'habitude que ce soit comme ça, bien carré. Ça, ils ont pas l'habitude. Du coup, ils sont un peu perdus là. Tu veux pas faire un drapeau, genre on les met tous un côté, une bande bleue. Bleu, blanc, rouge. C'est quoi moi, je les mettrais comme elles sont là. Elles sont très bien. Mais elles sont dans le coin, puis on continue comme ça. Allez, c'est quoi? Vas-y, envoie les genouillères. Ou pas. Ce sera coupé. C'est moins efficace avec ça. C'est bien mais je me perds vraiment dans le choix de... Tu vois, c'est tellement le bordel que c'est le bordel pour moi aussi. Alors ça c'est un peu lourd. Tu penses que tu balances et qu'on peut le rattraper ou... Non, je pense pas. Attends, bouge pas, je vais prendre l'escabeau. Ça a l'air de trucs assez fragiles en plus. Vas-y, je l'ai. Et là, le toucher, la fille va passer. Oh, je... oh ma fille, t'embête, hein. T'en as marre, ma fille. Bon, du coup, on est inquiété par cette étagère charge lourde parce qu'on veut continuer à l'utiliser, mais ailleurs dans le garage, dans un endroit plus discret. Cependant, elle ne passe pas sous les poutres de la maison. Donc là, on a deux solutions. Soit on la sortait couchée, soit on la démonte en mille morceaux, soit finalement, on coupe ce haut qui nous sert pas. Et là, c'est ce qui va se passer, du coup. L'idée à qui? C'est l'idée à Charlotte. Voilà. Du coup, on refait le garage pour une autre raison, c'est qu'on a fait cette émission qui s'appelle Gravity Game, qu'on a trop envie de développer à fond, et pour ça il nous fallait un endroit trop beau gosse. Du coup c'est trop important là que ce soit trop quali partout, de fond en comble, trop beau. Et on espère juste qu'on vous sortira des formats encore mieux, parce qu'ici vraiment c'est le lieu de présentation des motos, c'est le lieu où on passe beaucoup de temps à faire des modifs, on aimerait en faire encore plus, mais voilà, pour ça faut un endroit joli, sinon c'est pas joli, c'est pas cool, et voilà. C'est parti pour accrocher ce petit trophée. Alors niveau hauteur, dis-moi si je suis bien. Non, t'es trop bas là. Je pense qu'il faut vraiment que le bas tu le mettes là limite. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est bien là. C'est pas mal. Nickel là. Il fait quasiment à longueur. Attends, ça fait 35, ça fait 17,5. Et bah écoute, on est centré là. Contente. What? Mais what? Il fait jour! Ah non, mais c'est abusé! Et il t'en manque un! Et il en manque un! Ah ouais, non, mais c'est choquant là! Pas mal, hein? Ouais! Et là, la lumière elle est tout comme ça, il n'y a pas les télécommandes de l'ouvrier là! C'est comme ça, comme ça! Non, mais c'est parfait! C'est incroyable! Bah, Sarah, merci pour l'accueil! Bah, de rien! Chine, bonjour! Chine, à la tienne! À la boîte! T'es pas pressé ou? Allez, vas-y, attends! Oh. Alors ça c'est parce que ça sèche hein, différentes couches. Soit vraiment on peut passer un petit En marque ça fait un petit effet Martinique avec les vagues. C'est vrai. Alors c'est réunion là. Il y a un truc artistique dedans, ouais, ouais, c'est vrai. Ça. Oh, et en même temps, on peut presque dire que c'est pas pire qu'avant. Non, hein, non, c'est mais vrai. C'est pas beaucoup mieux. Je sais pas si c'est la lumière qui la met en valeur, mais ce qui est sûr, c'est que là, ça se voit, quoi. Ah, la bien ses petites lumières avec son petit trophée. Voilà. J'ai raison d'être fan, non? Ah, on va déjà enlever ces deux-là, comme ça, sûr.
Ah, tu changes tant de fois ton liquide d'enfouissement. Ouais, t'as perdu pour je sais pas combien de temps, hein. Ouais, non, j'en bouffe pas mal. Ouais. C'est appliqué la façon tu perds souvent. Ouais, bah là, je l'ai rechargé. Voilà, je pense que tu dois avoir un niveau. Ouais, j'en perds beaucoup. Ouais. Allez, deux. Rougail, t'aimes bien Rougail? Il est beau le sol, hein. C'est Disneyland. Oui, c'est trop beau, hein. C'est trop canon. Franchement. Attends, pas trop, il va rendre, je me tape la force, la barre. Charlotte. Oh, le bordel que vous avez fait chez nous. En vrai, on est en train de ranger. Hein. Alors, en vrai, on l'a déplacé le bordel. Hein. Ouais, je suis pas sûr qu'on l'ait créé en fait. Ce soir, on doit repartir avec la M4, du coup, on fait quand même la place pour sortir. Ah, rigole, on a fait des petites canettes comme ça pliées. Ah, c'est bien. Tout seul, t'as vu? Moi je remarque cette belle porte, qu'en pensez-vous? Non mais c'est artistique, c'est exprès. C'est comme il y en a qui jettent de la peinture. La Martinique, on s'est dit on va faire des petites vagues comme ça. Ouais, non, t'as pas vu, c'est carrément, il y a le tsunami. Ah oui, pas mal. C'est là où Rougal pisse tout le temps, mais il ira plus. On peut plus aller de l'autre côté pendant combien de temps là? Wow. Alors là c'est scellé à moi. Semaine. C'est scellé. T'as des artistes qui jettent des pots de peinture comme ça, voilà. Là, là c'est sec. Nickel. Par contre, si tu peux, avec un petit coup de pinceau, tu vois, tu fais la reprise après. Oh, à l'intérieur de toi. Le truc qui se fait. Oh, il y a l'effet Saramette. Ça sera jamais fait ça. Mais si, il y a un peu de minutes. Tac. Quand on est barré dans notre truc, après c'est mort. Et sur Charlotte, on va faire putain, il est tard quand même. Merci. T'as pas les bordures. Ok. Tu te promènes? Ouais. Bah écoute, je pense que c'était pas mal, non? Voilà, c'est bon. Ouais, on va dire, on va lâcher un peu, hein. Vas-y, vas-y. Hop. Tu t'es pris sur la tête? On a la tête dure. Je me souviendrai de mon passage. C'est vous qui l'a monté aussi, hein. Je veux vous voir faire ça. Ce qui est bien, c'est que les croix, on n'a pas d'habitude. Ah, vous faites de la moto? Non, non. Je me suis tapé la honte, là. J'ai perdu le permis en moto. Je suis pas. Je suis encore aligné. Vas-y. Pas tout sa chance d'avoir un circuit privé. Oh, là, bah, il galère à deux, là. Elle est plus sale que l'atelier, quoi. J'ai obligé de la nettoyer aussi. Les gars, c'est un truc de ouf! Ce garage, merci infiniment. Vous avez. Avec plaisir. Merci à toi. Ma vie. Je demandais à Charlotte, c'est ma vie ici. J'aime passer des soirées dans mon garage et pourtant il était moche avant. Donc imaginez maintenant. Du coup, Charlotte, elle va plus passer de temps avec toi. Je vais en fait mettre un petit lit ici. C'est incroyable, c'est trop beau. Je suis fière d'être la première à avoir inventé ce style. Le patchwork. Ouais, le patchwork. L'arrache. Voilà. Inspiré des Gay Pride à Reims où ils peignaient tous les carreaux des rues là. Tu te rappelles, peignait tous les carreaux des rues un peu comme ça, et en fait votre concept ça me fait penser à ça. Et je me suis dit bah vas-y, c'est ça que je veux, absolument. C'est pas tout à fait le calpinage mon... Non, c'est très bien, c'est n'importe quoi. Au début on était parti avec un ordre et tout, au final on a fait n'importe quoi et c'est trop bien. Comme si on les avait pris comme ça, on avait mélangé une boîte et on avait tout jeté. C'est pas ce qu'on a fait finalement. C'est pas ce qu'on a fait. Allez checker ce qu'ils font, allez checker leur travail. Et puis bah encore une cliente satisfaite, j'ai envie de dire. Et merci à toi. Et puis bah le jour où je suis plus satisfaite, en fait je les démonte juste et je les change de couleur. C'est ça, si tu veux changer le motif et tout, tu peux. C'est ça. Tu déclipses et puis tu changes. T'as envie de faire un truc plus régulier ou tu changes les couleurs. En disant tiens, à la place du jaune, je veux mettre le nouveau bleu. Je sais rien, tu peux faire. Ouais. Si tu déménages, tu peux les emmener. C'est vrai, en plus, ça c'est trop bien. Par contre, le mur, ouais, faudra. Les lumières, c'est pareil, tu peux les démonter, tu peux les remettre dans un carton. Aussi facilement avec. Aussi. Avec la peinture, laisse-la là. Ça va être compliqué à faire. Mais on va pas l'enlever. La porte, elle a pris 10 kilos. La montagne. Elle est isolée. Trop bien. Bon, mais tu vois là, ton sol, une fois qu'on a posé là, on voit qu'il y a une forme d'ondulation. D'accord? C'est-à-dire que ton sol, globalement, il est pas régulier. Et l'avantage en fait de ces revêtements là, c'est qu'en fait, ça permet de rénover facilement, sans travaux préalables, sans préparation en fait tes sols. Yes. C'est-à-dire que t'as pas besoin de faire une chape ou un régréage ou autre. Dans si là, t'as un sol. Sur du béton mal fait. Exactement. Ou des trucs si ton béton il est un peu brut, d'accord? Tant qu'il n'y a pas des trous et des bosses. Ouais, trop j'allais prononcées, dire, faut peut-être pas que ce soit abusé non plus. Et là, tu vois, ça fait une vague. En fait, ça, c'est autonivelant, ça va épouser
épouser en fait la forme de ton sol, ce qui fait que t'as pas de travail préparatoire. C'est souvent compliqué quand on fait une rénovation, c'est du réagréage, c'est du ciment, c'est de la poussière, ouais, c'est du séchage. Puis c'est des coups aussi. Exactement. De le faire en dessous. Ouais. Bah là, tu vois, en fait, t'as pas besoin. Okay. Tu poses directement partout ton revêtement. Les dalles en 40 cm, elles vont s'adapter. Okay. On a des dalles plus grandes en 50 cm, mais il faut un sol qui soit régulier et plan. Mais quand on est un particulier, majoritairement, on va sur du 40 cm. Et tu vois, on épouse vraiment l'effort, ce qui fait que ça te permet d'avoir un sol nickel sans travail préalable en fait de préparation. Et que tu passes même avec un Clark qui est quand même relativement lourd et ça abîme pas les dalles. J'avoue, tu on est passé en avec voiture, le tu vas pas les allumer, le etc. Clark égale Fen. Ouais, c'est ça, c'est les marques Clark et Fen. Ah, ouais, ça s'appelle, c'est un Nissan. Un chariot élévateur. Un chariot élévateur, voilà, c'est ça. C'est vrai. Olé. Il est en train de tout casser. Mais non. Non, regarde. Bien sûr que non, il n'y a plus qu'à remettre après. Mais c'est incroyable. Et voilà, un bout de dalle. Ouais, vas-y, maintenant tu nous remets ça. Alors, bon, tu vois, on a pris l'endroit le plus moche pour faire ce tuto. Alors, ou alors faut filmer comme ça. Ouais, voilà, exactement. Et tu vois, c'est simple. En gros, tu vois, t'as toujours t'as un côté mâle, un côté femelle. D'accord, donc tu vois, quand tu vas emboîter tes dalles, t'as vu, hein. Tu mets papa dans maman. Et ouais, exactement, c'est ça. Ok. Et tu vois, même un gosse peut le faire. Bah, moi, faut m'expliquer. Vas-y, enfin, et là. Papa dans maman, si le gosse les fait. Non. Pense au corps, et là, vas-y, avec ton pied, vas-y, amuse-toi. Voilà. Et tu vois, en fait. C'est pas plus c'est compliqué que ça. C'est ultra facile. Ouais. Même moi je l'ai fait. Hein. Même Charlotte l'a ouais, fait. C'est vraiment c'est... facile. C'est vraiment très facile. Et bien évidemment, il y a des finitions qui viennent au bout. Qu'on a oublié. Voilà. On va mettre les finitions après, puis voilà. Ce sera tout terminé. Du coup, là, ça c'est le gage de qualité, c'est ça. Alors, en fait, t'es sûr que t'as une dalle qui est une dalle EasyFloor. Parce qu'en fait, t'as pas mal de modèles sur le marché. T'as beaucoup de produits chinois, parfois qui sont copiés dans le style. L'avantage, c'est que nous, tu sais toujours que t'as un peu EasyFloor parce que c'est incrusté dans notre moule. D'accord. Donc, quand on moule un produit, t'as automatiquement la marque. Et en fait, au dos du produit, t'as une traçabilité. D'accord. C'est-à-dire que t'as le numéro. Donc ici du brevet de notre produit et t'as la date de production. Okay. Comme ça, si jamais t'as un souci, on est capable de retracer en fait la traçabilité de ton produit. Ce qui est pas le cas sur des produits qui sont importés de Chine ou autre. Ça nous permet de garantir les dalles pendant 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, tes dalles sont garanties. Suivi quoi. Ouais. Donc pendant 20 ans, si t'as ta voiture qui passe et que tu casses une dalle, et ben en fait tu me contactes et non, tu l'échanges. Magnifique. Les luminaires, c'est pareil, on les garantit 5 ans. Donc en fait, quand tu les installes, c'est du LED, donc basse consommation. Bah c'est pareil pendant 5 ans. Si t'as un tube qui vient fatigué ou autre, bah on te le change. Comme ça, tu peux changer la pièce que t'as besoin. Et pendant 5 ans minimum, on garde les pièces détaché pour que tu puisses le réparer chez toi et sans tout changer. Ok, incroyable. Putain, ils éblouissent de ouf les lumières. Ouais, ça envoie la lumière. Elles sont violentes. Ça envoie la lumière et ça consomme pas beaucoup. Et puis le troisième élément qu'on n'a pas mis ici, c'est qu'on fait des établis aussi. Pour venir terminer le garage, c'est vrai qu'en général, un garage, c'est un sol, un luminaire et un établi. Voilà, c'est le troisième élément qu'on n'a pas encore mis ici. C'est vrai, pas encore. C'est vrai que d'un coup, mais les établis sentimentaux, ils commencent à faire tâche, malgré tout. Quand on réfléchit. Ouais. Ouais, nous, c'est Easy Garage. Et donc sur Easy Garage, le principe est simple, hein, c'est que Easy en français, ça veut dire facile. Et puis, en gros, c'est refaire facilement ton garage. Donc, avec nos trois concepts de produits, les dalles, les luminaires et les établis. Le principe est simple, c'est qu'en fait, en un week-end, t'as fait ton garage et limite en t'amusant. Quoi. Mais c'est pas t'as fait ton garage, ça fait un putain de garage. Personnalisé, qui est que à toi et comme personne n'aura d'autre. On l'a fait, alors on a fait ça sachant que je l'aurais pas donné à tâche simple. Facile, t'as compris, j'étais chiante. Alors on a peint les murs, on a galéré à mettre tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, on a tout déblayé. On a enlevé des racks. On a attendu la livraison. C'est ça. On s'y est pris au premier moment, au dernier moment. On a commencé à midi à peu près, je pense. Ouais, ouais, par là, ouais. Midi, on a commencé à dévacuer, après on a mangé vite fait, on a commencé à peindre. Ils ont passé plus de temps à ranger mon bordel en fait qu'à monter leur dalle. C'est ça en fait. Après, on a peaufiné, on a fait la déco, on a accroché les cadres. On a peaufiné en plus. Il est quelle heure? Il est 23h20. Bon. Une petite journée, le gars. Il est modifié complètement. Est-ce que maintenant on montre la réalité, le bordel qu'il y avait et qu'on retourne la caméra? Et qu'on voit en fait c'était quoi ma vie avant? Voilà. Ouais, là, ce côté quoi. C'est ça. Et là c'est easy et là c'est pas easy. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ton garage a de ça? Non, ça tue. Il y a un concept. C'est le mot ça tue parce non, que tu te prends des antivols sur la tête si tu fais pas attention. Je crois que je dois avoir un trou quelque part par là. C'est sûr. Et merci aux abonnés d'avoir regardé jusque là, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner et puis aller leur donner de la force. Les liens, c'est en description, leur Insta, leur YouTube. Vous avez YouTube aussi? Ouais, Insta, YouTube, Facebook. Et tout. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Et surtout, donner de la force, c'est important pour nous. Donner de la force, abonner, mettre des j'aime, tout ça. C'est trop bien. Et merci encore. Merci à vous. Prenez bien soin de vous, les amis. À très vite dans la prochaine vidéo. Bye. Salut. Bye. Bizarroïde.